Coucou, on se retrouve pour un vlog départ au Canada. Comme vous voyez, j'ai commencé à faire mes valises et quand on part à 4, oui 4 comme ça, eh bien c'est une vraie expédition. On a 3 grosses valises à remplir, une pour moi, une pour mon mari, une pour les enfants et 2 valises bagages à main et aussi une autre petite valise bagages à main qu'on va mettre en soute avec tout ce qui est lait parce que là-bas c'est compliqué de trouver du lait et puis... Notre enfant il a l'habitude de certains laits donc on va garder nos laits. C'est moi qui vais t'appeler ma chérie. Et ma chérie elle va m'aider à boucler le reste des valises. On vous montre ça et puis après destination le Canada. Alors la valise des crapouillots se présente comme ceci. Donc on a ramené des cadeaux pour des gens qu'on va aller voir là-bas. Donc voilà. Sinon on a mis... Attends qu'il est là. Tout ce qui est vêtements, à peu près 4-5 ensemble, 2 pyjamas, des chaussures, des baskets, un petit peu de médoc. Vous voyez, on a caché du lait au milieu de tout ça, bien cellophané. Les médicaments, parce qu'au cas où. Quelques petits plats tout près d'ici, au cas où aussi. 4 ensemble pour mon loulou, donc là voilà. Et des couches en dessous, il y a plein de couches. Donc voilà pour la valise des petits. Un petit ensemble pour une famille qu'on va voir parce que la fille de Katie, chez qui on va avoir un petit garçon. Pour la valise, pour ma valise à moi, voici donc des petits chaussons. Là-bas, il faut savoir qu'il fait froid en ce moment. En tout cas, au moment où on y va, il fait froid. Donc, une paire de baskets, des pantalons, des pulls, ma trousse de toilette, ma petite trousse du soir, entre guillemets, avec mes petits médicaments, ma crème pour les mains, mon petit baume à lèvres. Et 2 pyjamas, dont un moumouté. Donc, voilà pour ma valise, qui est assez simple. Bien sûr, j'ai ramené des gants et mon cache-oreille parce que ici, il fait vraiment froid. Moi, je suis assez frileuse, donc je préfère être bien couverte. Au niveau de ma trousse de toilette, j'ai pas pris des trucs extraordinaires, je vais vous montrer. Ma super brosse Weight Brush Pro qui démêle sans faire mal. C'est à moi. C'est à moi et toi, c'est à toutes les deux ma chérie. J'ai pris donc mon dentifrice du moment, Bucotherme et ma brosse à dents. Des miniatures entre guillemets, mais c'est moi qui les ai fait avec mon eau micellaire. Bioderma et un shampoing après shampoing de chez Garnier qui sont trop bons à l'aloe vera et à la noix de coco. Ma crème du moment, vous savez, de chez Abélie, un déo. Le kit... Ah non, là, qui est là. Fais pas ça, ma louloute. Non, je sais pas. Tu vas tout détruire ta coiffure, là. C'est n'importe quoi. Elle a des couettes, elle essaye de coiffer, n'importe quoi. J'ai pris, comme d'habitude, mon petit Yves Rocher, vous savez, exprès pour les voyages. Allez pour le corps. Enfin, bon, voilà... D'ultra doux pour mes cheveux. Et ma trousse de make-up, je vais la préparer pour la mettre dans la valise à main. Dans ma trousse de maquillage, j'ai décidé d'emmener ma petite trousse chaussoute de tous les temps. Avec ma petite palette comme ça de Too Faced, la Chocolate Chip. Une miniature du Chocolate Soleil, une miniature du Marino Malaiser. Deux blushs, le Sephora Colorful en teinte... une 30. Et de Yves Rocher, un petit fard à joues comme ça. En teinte 3 bois de rose que j'aime beaucoup. Ensuite mon mascara Better Than Sex, un liner que j'aime pas spécialement, je vous en avais fait une revue sur mon blog d'ailleurs, le tattoo liner de chez Kat Von D, pardon. Mais mon petit combo pour le sourcil de la marque Le Sourcil, donc là vous avez le gel pour les sourcils et en dessous les crayons à sourcils qui sont là, je vais y arriver. Donc voici. Ensuite un petit crayon noir comme ça au cas où de la marque Lord & Berry. Les petits pinceaux, ici dans mon petit pochon j'ai mis tout ce qui était entre guillemets liquide. Le fond de teint, ah mon crapouillot a réussi à me rattraper. Mon fond de teint de chez Lancôme, le teint miracle. L'huile pour les lèvres comme ça de chez Clarins. Un petit gel antibactérien, merci Andy, le Sunshine. Un petit déo comme ça, Sephora en spray, mon anti-cerne Naked de chez Urban Decay, ma crème pour le visage, une petite miniature. Niveau pinceau, je n'emmène pas beaucoup de pinceaux, mais les essentiels, toujours de la marque Le Sourcil, le pinceau à sourcils. Des pinceaux ELF, un pinceau MAC, un pinceau de la marque Auriège biseauté. Et 2 pinceaux de chez Sephora, le 49 et le 40 pour le teint. Et mon nettoyant à pinceau de chez Sephora, comme ça mon éponge nettoyante à pinceau qui me sauvera là-bas la vie. Je vais laver mes pinceaux. Et puis je vais ranger tout ça et let's go Canada.
Atterri et il faut avouer que le voyage s'est très bien passé avec les petits crapauds, mais on a attendu longtemps nos bagages, au moins 2 heures. Ça nous a grave saoulé. Nous sommes dans la voiture de location, destination London. En France, il est minuit 45, ici il est 18h45, donc on est quand même claqué, mais ça va, comme si le temps s'était arrêté dans le ciel. Et ma foi qui est là était trop ravie d'avoir pris l'avion. Hein, Poupette, t'étais contente? Ok, là. T'étais contente de prendre l'avion? Oui. Ah, elle était très contente et ça s'est bien passé dans l'avion. Même pour Crapouilleux, ça s'est bien passé. Mais il a eu beaucoup de sel. C'était la loose. On vous retrouve tout à l'heure quand on sera bien arrivé à destination. Petite précision, on est quand même le 16 avril, j'ai oublié de vous dire. Et il neige. Enfin, en tout cas, il a neigé, c'est tout blanc. Nous sommes bien arrivés donc hier à Toronto en avion. Nous avons loué une petite voiture pour arriver à London en Ontario. Donc l'Ontario, c'est le sud-est du Canada, où c'est une région qui est gérée, je crois, au niveau gouvernement par l'Angleterre. Du coup, ici ils sont sous le régime de la reine d'Angleterre, je crois. À vérifier, je ne suis pas une professionnelle. Et du coup, ils parlent tous anglais, un petit peu français dans certaines écoles, puisqu'il y a des écoles françaises ici. Mais en tout cas, c'est une jolie ville. Je vous invite à aller découvrir ce coin du Canada si vous ne connaissez pas. Je viens de monter les escaliers, c'est pour ça. Donc on a été accueillis chez une famille que je connais, puisque j'ai eu la chance lors de l'UFM, en fait, l'Institut de formation des maîtres, quand j'étais en formation pour être maîtresse, de venir un mois ici dans une famille au Canada, vivre et travailler dans une école française où on apprend le français aux enfants, donc canadiens anglophones. Donc c'était une super expérience et j'avais été accueillie par Katie et Bill, qui nous a re-accueillis encore une fois cette année, 7 ans après, je crois, si je ne me trompe pas, 7 ou 8 ans après. Et on avait déjà été 2 fois les voir, donc vous voyez, on les adore, c'est notre petite famille canadienne. Ici, mais voilà, on est bien arrivé, on a bien dormi, ça fait du bien, on a pris déjà le rythme canadien, puisque là il est 9h et en France du coup 14-15h. J'ai reçu des petits colis, même ici, oui. J'ai reçu 3 box, oui, parce que je me suis commandé avant de venir la Glam Box, pour celles qui connaissent. Donc je vous ouvrirai ça dans une vidéo, je pense, spéciale pour vous montrer le contenu à mon retour. Mais bien sûr, je vais les ouvrir avant parce que je vais pas pouvoir tenir jusqu'à mon retour. Hein. Je rentre dans 10 jours, mais je vous ferai une vidéo spécifique sur les Glam Box. Mais juste trop contente, j'ai pu me commander 3. Dès que j'ai su que j'avais pris mes billets d'avion, donc en décembre, j'ai commandé janvier, février, mars. J'ai demandé bien sûr à Katie qui était d'accord, donc voilà, merci Katie, même si elle passera pas par là. Voilà. Bon, bah, aujourd'hui, je ne sais pas encore le programme, mais je vais vous montrer la météo extérieure. Alors, je suis à travers la fenêtre, vous voyez un peu les grillages, mais vous voyez quand même l'ambiance. Il neige, c'est tout blanc. Et là, ça a neigé un petit peu cette nuit, et là, ça re-neige. Donc je pense que ma fille va être plus qu'aux anges de cette météo. Bien arrivé au pôle Nord. On va faire un petit tour au centre commercial pour chercher quelques petites choses, donc let's go.
météo est juste dingue. Maintenant, la neige est presque partie. Ce matin, vous avez vu, c'était le blizzard. J'ai craqué. J'ai pas fait de blocks. J'ai pas mal craqué. Je vous montrerai sûrement ça à mon retour. Parce que là, j'ai pas envie de faire de haul dans une vidéo vlog. Et chez David Stee. Et j'ai acheté aussi des livres pour ma fille. Ça, je pourrais vous les montrer tout à l'heure si ça vous dit. Je vais aller les chercher. Mais du coup, voilà, mon petit craquage du jour. Je pense que j'y retournerai. Là, j'ai acheté pour moi, mais j'y retournerai pour les copines. J'ai acheté des petits cadeaux. Donc, voilà, mais j'ai pas mal craqué. Je suis trop contente. Voici les 4 livres que j'ai achetés pour ma fille et pour ma classe. Donc, ceux-là, les deux petits, ce sont des livres assez mythiques que vous retrouvez même en français. The Very Angry Caterpillar. Donc, de Eric Carle. Il y a le Brown Bear, Brown Bear. What do you see? D'ailleurs, je crois que je l'ai celui-ci en version française dans ma classe. Faut que je regarde, mais bon, bref. C'est juste trop trop bien ces petites histoires assez simples pour que ce soit pour mes enfants ou mes élèves. Et ça, il paraît que c'est hyper mythique ici, aux États-Unis et au Canada. C'est Dr. Seuss, Book of Colors. Et by Dr. Seuss, One Fish, Two Fish, Red Fish, Blue Fish. Et en fait, ça donne vraiment des mots de vocabulaire de base et une petite histoire avec ce petit bonhomme-là qui ressemble un peu au Grinch, d'après ce que j'ai compris. Donc ma foi, je suis plus que ravie d'avoir trouvé ces petits livres là. Donc c'est pas donné, hein. Je vous en parlerai, je les lirai sûrement dans ma classe. C'est autour de 10$, 12,99$ au Canada. Et ceux-là, 12,99$ aussi. Donc vous voyez quand même 12$, 12$, 12$, voilà, 13$ à chaque fois. Ça fait un petit paquet, mais voilà, je suis ravie d'avoir celui-là. Et puis si j'ai l'occasion, bah, j'irai en chercher d'autres, je pense, d'ici la fin de mon séjour.